J Stars, Victory vs. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce qui pourrait être le dernier épisode sur J Stars Victory vs. Dernier gameplay au pif, sûrement. Je pense, je ne sais pas à quel point la route victoire est longue, mais en tout cas, il nous en reste très peu à faire. Enfin, on en a fait 3 la dernière fois, et il en reste sûrement, il nous reste sûrement Alabasta plus 2 autres, qu'il y a derrière les nuages à droite, je suppose. S'il y en a plus, bah écoutez, ça fera un épisode de plus, tout simplement. Mais dans tous les cas, la dernière fois, nous nous étions donc arrêtés à Seiya. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va attaquer, a priori, les personnages de merde. Taro Yamada. Alors, Taro Yamada, avec qui il fait les parlottes? Avec Killua et Arale. On va prendre Arale en premier. Bien sûr, en allié, comme ça, on prend au pif. Ce sera Freezer. Le rayon de la mort. Et on va partir. Hop, Alabasta. On commence par Aizen, Madara et Toguro. Eh ben putain. Comment vais-je faire pour gérer ça? Domori? Ouais. Parce que Karakura c'est Bleach, Morio c'est Jojo. L'autre en bas je savais pas ce que c'était. Mais en tout cas, vu comment c'est sérieux, histoire de doubler. C'était ça l'interaction. Y'a pas d'interaction. Ok. Alors il augmente pas. Ça augmenterait sûrement sa puissance, j'imagine. Ah si, il augmente. Ah c'est que il a. Ah. Ça appelle la grand-mère quand on avance, c'est qu'on appuie sur rond. On reste normal, on fonce dessus. La grand-mère l'a vu. Bon, j'aurais cru que la grand-mère ferait quelque chose, mais... Et si je me protège... Ça fait ça. La grand-mère l'a vu. C'est tellement nimp. C'est n'importe quoi. On va apprendre ce qu'est l'attaque ultime de Taro. Je crois qu'il fonce avec une jarre d'eau en fait. S'il y a Aizen sous elle, il est mort déjà. Aizen est mort. On va faire celle de Taro. Pour Madara. Voilà. Et en plus, il fonce dessus. Ok. Oh,
Ça c'est abusé ça aussi, le fait qu'il fonce comme ça par contre tout droit. Contrairement à Koro Sensei qui est très rapide, lui il est malléable quand il fait son truc. En plus il permet d'esquiver tout et n'importe quoi, le Mokuto par exemple je l'ai bien esquivé. Je lui fais ravaler son katon. Ah, par contre quand je saute il fonce vraiment tout droit. Il va pas... Et pareil quand il esquive... Ah merde, pas assez d'énergie pour foncer dessus. Ah. Ça c'est plus mauvais ça d'un seul coup. Hop. Bon. Je sais pas. Je sais pas quoi dire sur ce personnage, franchement. Il a l'air vraiment insignifiant, mais si on le joue bien, il fait très mal. Mais bon, on peut dire la même chose de tous les personnages après. Oui, ce que je veux dire. Pour ça que je dis, je sais pas vraiment quoi dire sur ce personnage. Bon, on va prendre Killua avec lui maintenant. Et on va éviter de prendre quelqu'un qui ait une interaction avec Killua, qui est l'interaction entre les deux. Avec Killua, il y a Gon, Hisoka et Taro. Donc, on va prendre ni Gon, ni Hisoka, ni Taro. Bon, Taro, on l'a, du coup. Ni Gon, ni Hisoka. Kuroko, c'est parfait. Allons-y, et on affronte Hancock, Akainu et Ace. Ça va faire mal. À première vue, on aurait l'impression qu'on a aucune chance. Killua et Taro et Kuroko contre ceux-là. Voilà quoi. Oh! Ça, je l'apprends, ça. Enfin, je savais que le curseur changeait de proche à loin, mais je savais pas qu'il y avait un curseur invincible. Ça nous montre, genre, qu'on peut pas l'avoir de là, quoi. Alors, a priori, c'était simplement quel égoïsme que Taro avait avec Killua. On connaît la chanson parce que tu es belle. Bon allez Killua, on y va en offensif. La merde. Il fait quoi, Kuroko? Ah, il dévie l'attention. Pendant un instant, en fait, Akainu tourne l'attention sur le ballon. Allez mamie, j'ai besoin d'aide. Yeah.
fait chier. C'est ça, c'est un truc ultime. Fait chier. Oh, ça le paralyse et ensuite il fonce d'un seul coup dessus. Tu crois que tu vas y échapper une deuxième fois? Surtout que c'est de la flotte, donc bon, je sais qu'à Kainu, ils peuvent faire évaporer la flotte. Mais mon petit coup de flotte, ça devrait bien la ralentir. Il s'enlève pas mal quand même. Eh ben non. Mais quand je dis bien joué. On peut limite vaincre n'importe qui. Allez mamie. Et... Bon, je vais faire plus attention à Kainu. C'est Kainu qui va mourir trois fois. J'ai fait le coup. Vous avez vu comment il fait mal Kainu par contre? Oh là 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 là. Ça fait bobo. Là, je vais partir en courant. Ah, il était plus rapide que moi. J'allais lui foncer dessus. Eh ben non. Je pensais qu'il allait pas le faire. Ça m'aurait fait un peu chier, mais bon. Ah merde. Il a été plus rapide que moi pour un coq. Je vais utiliser l'outil pour terminer. Bon bah, franchement, ce personnage il est pas mal. Je disais qu'on tombe sur de la merde, mais non, finalement, ça va. Oh, j'ai fait des défis, j'ai même pas fait attention. Terminer sans utiliser la garde. Ah, ouais, ok. Alors ensuite, Arale et Saiki. Et ça change d'endroit, bien évidemment. Donc on va faire Arale et Saiki pour commencer. Le problème, c'est que là, on en est à Arale, nous aussi, non. C'est qui, après? Ah non, c'est Lucky Man, pardon. Donc Lucky Man, avec qui il a une interaction. Alors, je cherche le nom. Hein. Hop. Joseph, Seiya, Taro, Lucky Man. Lucky Man, il est... Bah putain, il est où? Il va pas y être. Parce qu'ils sont pas dans l'ordre. Je suis pas sûr qu'il y ait. Pekagura, Gintoki, Korotsune, non. Alors est-ce que... Dans les ceux qui peuvent être utilisés, désolé s'il y a du vent, c'est mon ventilo. Je me fais attention, je me suis baissé. Non, bah le Kiman il a pas l'air d'avoir d'interaction. Ah bah si, il en a une avec normalement le flic. Comment il s'appelle le flic déjà? Merde, je suis revenu en arrière. Ouais, mais c'était un autre sur un autre site que j'avais vu ça.
le flic et lui. Ouais, ouais, c'est sur un autre truc. Bon, bah écoutez, on va faire au petit bonhomme la chance. Pokémon. Avec. Avec Luffy ou avec Goku. Allez, avec Goku. Bah tiens, avec Goku et Luffy. C'est parce que. En fait, Lucky, il a la voix de Krillin. Mais c'est également la voix de Luffy, je crois. Je sais pas si c'est le même seiyuu. Je veux pas dire de conneries, mais j'ai l'impression. Je le sais pas. Hey! Comment s'appelle l'art martial ancestral utilisé par les Shinigami? Le Kido. La croix. Ah oui, bah oui. Il y avait une interaction, évidemment. C'est bien ce que je pensais. Donc c'est bien ce que je pensais. Sagikusu et le skate, il y avait bien une interaction. Alors, le Kiman. Ça fait quoi? Là, je suis comme ça, mais je sais pas ce que ça fait en vrai. Est-ce que ça me permet d'esquiver obligatoirement une fois? Bon, avec Goku, de toute façon, hein, c'est abusé. C'est le qui bim de l'amour. Peu importe où tu le lances, il atterrira forcément sur elle. En avançant, ça fait quoi? D'accord. En gros, j'arrive tout doucement et ça dépendra de ma chance. Ça va lui foutre un énorme coup. Alors, l'ulti de Lucky Man. Attends, je pense qu'on va avoir besoin. Si. Je vais le faire sur Saiki. Il y a tellement un coup de peau qui fait tomber un truc. Je sais pas si c'était un satellite ou un truc du genre. Il y a un extraterrestre qui touche le Lucky Beam. Ah non. Ah. Oh, j'ai plus de chance. Oh, j'ai plus de chance, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est peut-être à ça que ça sert, ça. C'est peut-être à ça que ça sert. Et en plus, je peux bouger en même temps. A priori, j'ai récupéré ma chance. Ouais, c'est ça, ça touche une secoue volante. Puis ça le balance sur lui, du coup.
J'ai pas besoin de faire appel à la chance. D'accord, donc il joue quand même ça ce personnage. Oh le Lucky Punch. Lucky Punch, oh la vache. Et il lui restait quoi, un quart de CPV. Lucky Punch, il lui a enlevé tout le quart de CPV quoi. Peut-être un peu moins, mais voilà. Est-ce que le Lucky Punch a différentes puissances? Est-ce que ce serait ça le Lucky Punch? Différentes puissances. Ou alors est-ce qu'il a une chance de one-shot carrément? Genre 1% de chance de one-shot, imaginez. Ce serait marrant. On y retourne. Mais avec un autre personnage, cette fois-ci on va voir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui a une interaction? Shitoge peut-être. Konnichiwa. Mais bon, le problème c'est que s'il reste deux îles là seulement. Ah, alors, chance à votre gain dans le combat et force. Mais si vous continuez à manquer vos attaques, la roue finira par tourner pour Lucky Man. Oh, à force de louper mes attaques, je commence à ne plus avoir de chance. C'est ça qui arrive. Non, ok, il n'y a pas d'interaction. Oh, mais il y a Chitoge aussi, enfin, je n'ai même pas fait attention. Ah, ça, c'est l'interaction entre deux. Là je l'ai loupé. Et là j'ai plus de chance, merde. On va voir quand est-ce qu'elle revient. Ah ah, voilà. La Kibim. On a lancé les deux en même temps. Alors j'aimerais que les deux soient côte à côte. Ça les toucherait tous les deux. Mais bon, là on va toucher que ça saute du coup. Allez hop. Ah, parce que je l'ai loupé. Mais c'était quand même pris. C'est long hein, quand même. Ah, ouais.
Je perds trop vite ma chance. Je sais pas contre quoi il se bat là-bas, Madara, mais. J'entends les trucs cramer depuis tout à l'heure. Kiman, il est sympa. Oh, tiens, j'ai fait les trois défis sans faire exprès. Et ça, ça doit être le dernier truc. Forcément. Bah dans ce cas, je pense qu'à partir de maintenant, on va prendre les personnages un par un. Déjà, Toriko, bon, on le connaît. Hein, on va le prendre pour un combat. Zebra, on va le prendre pour un combat. Arale, tout ça aussi. Je pense que ça fera jusqu'à la fin. Enfin, après, faut compter qu'il y a les alliés aussi. On va peut-être les prendre un par un aussi. Alors, Toriko. Toriko a eu une interaction avec qui? Avec Zebra, ça on sait. Et ensuite? Toriko, Luffy ou Zebra? D'accord. Donc on va prendre Luffy. Zebra, on la connaît. Mais Luffy, pas forcément. Et on allie comme ça, qui c'est qu'on a pas vu encore? Bah Kagura sa dernière roue, hein. Allez hop. On va commencer à les prendre un par un. Hop, allons-y. Dans quel poste de police la fausse tête Taro Yamada a-t-elle été recrutée? Kamehari? Non, c'était pas ça. Je sais pas, je sais pas du tout. Non, ça n'a pas fait l'interaction. C'est vrai qu'il gagne en bouffant. Gosso, ça m'en déchire pas. Oh, je rappelle la flamme four qui a fait extrêmement mal. Oh, bah, c'est ça en plus. Oh, mais j'ai même pas fait exprès, ils l'ont en face aussi. J'ai un peu fait esprit qu'il est en face, en fait. Aussi. Bien joué. Je croyais que c'était mon Luffy qui était là, mais non. Punchy.
Oh, ma Flying Fork a arrêté son Iken. C'est ça d'un héros qui va terminer. Zone terminée. Ouais, donc il y a bien 6 points. A priori, vraiment. Bon, bien sûr. Nous n'allons pas faire le potager céleste tout de suite, il reste deux combats à la Basta, non, un seul. Un combat à la Basta, mais du coup faut recommencer dès le début, malheureusement. Donc, un zèbre, bien sûr, on le prend une seule fois lui aussi. Et Zebra, il a une interaction avec Toriko, ok, mais aussi avec Gon en face, malheureusement. Il sera pas en face Gon. Avec l'interaction avec Toriko. Et bah écoutez. Ce sera au hasard. Medaka, parfait. Skate. On les a jamais pris. Ou alors on les a pris vraiment une fois. C'est parti. On va manger aussi. Oh là là, Madara, comment il a pris cher entre moi et Medaka. C'est abusé. Et encore, il a pas ses cartes. D'accord, ça va juste tout droit. À cause du bouclier, il a réussi à s'en échapper quand même. Ah, il était en mode invincible. やるじゃねえか。俺を環境だと思えよ。クラ、クラ。よし。ボイスミサイル。
On va se concentrer sur Madara, tiens. Ah non, il a accroché. Il a même protégé hein, le cube noir. Eh ben non. Bon bah Medaka s'est occupé de Madara. Je l'avais jamais utilisé ce bouclier, je me rappelle pas l'avoir utilisé à un moment. Je voulais faire un Thunder Noise au cas où il me fonce dessus, mais ça m'a fait le bouclier. Je me souvenais plus de ses touches. Mais bon, c'est tout ce que Zebra est abusé de toute façon. On a eu un let's play tout entier pour le découvrir lui, donc voilà. Alors là, terminé sans utiliser de garde. Bon, on va essayer. Ça va être qui le prochain? Ah, Arale. Ouais, bon, pourquoi pas. Arale a une interaction avec... Taro, n'importe comment. Avec Taro. Eh ben, s'il n'y a eu qu'une interaction avec Taro, ça sert à rien. Mais il me semble qu'il y a une interaction normalement avec Medaka ou avec Goku. Avec Goku. Et Alen. Alors Alen pour moi c'est le meilleur personnage allié. Il fait extrêmement mal en fait. Si vous voulez faire des dégâts, c'est Alen qu'il faut avoir. Un bandeau, là. Ouais, il l'a sur la tête, donc je me dis c'est un bandeau. Non. Il n'y a pas d'interaction. J'aurais pensé, hein, vu qu'ils ont fait un bout de série ensemble. Après, je sais pas si vu que j'utilise la garde quand je recharge avant de recharger, et si ça compte ou pas comme une utilisation de garde. Ça. Je me retiens d'appuyer sur la touche. Vraiment. Bon, à part si ça me coûte la victoire, hein, malheureusement. Ah, désolé, j'ai le nez qui me gratte, enfin qui me chatouille à l'intérieur, je sens que je vais éternuer un moment. Putain, mais encore il l'a envoyé loin, mais non. Ça touche tous ceux qui sont devant elle et derrière elle, mais... Écoute, si on l'envoie à l'autre bout à chaque fois ou des mauvais côtés pour moi, j'arriverai pas à le toucher.
normalement j'ai utilisé aucune fois ma garde. Je dis bien normalement. Contre eux en tout cas. Ils ont jamais tapé alors que j'ai utilisé ma garde en fait. Pas assez rapide pour esquiver. Vous avez vu comment il fait beaucoup de dégâts. Il est vraiment utile, Alain, pour faire des dégâts. En plus, il la retient un instant. Donc, si vous voulez la violer, c'est maintenant. c'est dégueulasse, ce que j'ai. On rigole pas de ça. Voyons. Hop, allez, prochain combat. Bien sûr, on change, du coup. Vu que j'ai dit que... Voilà quoi. Bon, le Goku, on connaît, hein. Je prends juste pour la forme, histoire de faire tout le monde. Goku a une interaction avec Vegeta, avec Freezer, normal, et avec Gintoki. Et Lala, est gone. Eh ben putain. Gintoki, Lala est gone. Qu'est-ce qu'on aimerait voir? Gone ou là? Parce que Gintoki, je crois qu'on l'a déjà vu. De toute façon, on aura l'occasion de la revoir. Allons-y. J'ai bien choisi la Sonorma, on est d'accord. On peut pas se protéger en tout cas. Hop. On se heal. On retombe vraiment trop doucement. J'ai malheureusement pas eu le temps de tester Jump Force parce que là... Attendez, je lance le téléchargement pour y jouer. Et ben, la connexion est tellement mauvaise chez moi que le temps que la démo se télécharge, et ben le temps d'essai était déjà fini. Alors imaginez. C'est dégueulasse. Parce que bon, déjà que les horaires étaient assez petits d'essai. Donc en plus avec le téléchargement totalement à la bourre. Bah voilà quoi, j'ai pas eu le temps d'y toucher. Du coup j'ai pas pu vous en faire une petite démo sur la chaîne, ce que j'aurais bien voulu faire, malheureusement. Mais bon, j'ai pas pu le faire du coup. J'étais concentré dans la façon de faire les trucs. Mais non, mais putain.
Bon. Le temps qu'ils nous foutent pas les premiers coups, en fait, ils font pas la suite de leur attaque. Belle esquive. Ah ouais, mais il était derrière. Eh Goku, t'aurais dû te retourner là normalement. Si tu fais l'esquive, autant la faire totalement. C'est trop sans douille. Ouais, c'est bon. On a fait tous les combats de cet endroit. Et en plus, on les a fait tous à 100% a priori. C'est bien ça. Il y a vraiment que au poste de Kamehari que j'ai pas fait tous les défis. Bref, potager céleste. Toriko, Ken et Kagura. J'ai plus Kaguya, pardon. J'ai plus Kagura ou Kaguya. Hein, j'ai un gros bug. Alors, Vegeta, on ne l'a pas utilisé encore. Et avec qui Vegeta a une interaction? Avec Lala, mais en ennemi. On va laisser Lala en allié. Est-ce qu'avec Sasuke il aurait une interaction? On va voir ça. Nawa Uchiha Sasuke. Allons-y. Yukime, fervente admiratrice et fiancée autoproclamée de Nobu. Une sorcière? Non. Une femme de neige, peut-être. Il y avait pas d'interaction, je crois. Est-ce que Sasuke, j'ai déjà vu dire ça, qui était pas avec Vegeta. Alors Vegeta se joue pareil que Goku, si je me souviens bien. Il se transforme, ça, il balance des trucs comme ça. Et si on bouge pas, c'est du gang attaque. Non. Ah non, si on bouge pas, c'est ça. Donc c'est si on avance, c'est du gang attaque. C'est ça. Ça a les mêmes effets que la... que la balle de Zebra. Ah, il est invincible quand il fait ça. Oula, j'ai cru qu'il allait pas le faire. Ouh, bien joué. Je sens le final flash. Je sens le final flash. Final flash!
va alors, Ken. Il a résisté à lui. Alors là, par contre, là, ouais. Alors quand on se protège, il fait quoi Vegeta en fait? La vague explosive, très bien. Super Saiyan si possible. Oh. Ils vont me foutre dans la gueule. Sasuke s'est débarrassé de Toriko assez facilement. Ça va. Pour des personnages 3 étoiles en face. Pour ça, je dis, je pense que mes alliés prennent les étoiles des ennemis en fait aussi. Si un ennemi 3 étoiles en face, l'allié il sera 3 étoiles aussi, je pense. Alors, ça commence directement ici de partir en haut. Je sens qu'en fait, ça va être. Tout le long là, déjà, du coup. Ok, donc il y a déjà deux chemins maintenant. Non, non, pas option de le changer de perso. Ah, Freezer Sama. Freezer. Avec qui il aura une interaction? Avec Luffy en face? Oh. Je me demande s'il y a un combat avec Luffy là, en face. Ça pourrait être intéressant. Entre méchants, peut-être, je sais pas. Ou Medaka. Peut-être que Medaka va lui faire la morale, un truc du genre. On va essayer entre deux sadiques aussi. Allez. On essaye entre deux sadiques et entre une personne qui fait la morale à tous ceux qui font n'importe quoi. L'interaction entre Tsuna et Freezer, il y a eu. Je savais pas qu'il y avait une interaction. J'ai pris au hasard. Il se joue comme Vegeta et Goku lui aussi. Avancer, c'est la vague. Si on reste normal et que je reste appuyé, ça charge un putain rayon de la mort. Ah, il m'a eu avant. Hisoka, avec lui. Oh, c'est transformé carrément. Elle n'a pas perdu de temps. Oh.
Alors à mon avis, ça... Ouais voilà, il fait la boule. Et il explose. Si je rappuie dessus, enfin, j'ai rappuyé dessus. Après, je sais pas si c'est vraiment quand j'appuie dessus, mais en tout cas, il explose. Alors, Freezer. Boule de la mort ou transformation 100%. Boule de la mort. Oh, mais ça lui a pas fait grand chose, lui, donc. On va retenter. C'était juste un jeu. Du coup, ça va le faire. Le Bungee Gun m'a aidé. C'est moi ou... Hey, s'il a pas arrêté de crever en fait. Hop, bungee gum plus rayon de la mort. Oh, le double attaque. L'autre il l'a retenu avec le bungee gum et moi j'ai fait pfff, rayon de la mort. Tous les deux tendus loin en même temps. C'était beau. Ça donne envie de le retester, Freezer, parce que j'ai pas eu le temps de tout tester. Ouais, allons-y. Un petit combat en plus avec Freezer. Oh, et je parie qu'on va remonter puis redescendre encore une fois. Allez, en plus il y a Gon en face. Normalement il y a une interaction entre Freezer et Gon. Parmi les techniques de Naruto, laquelle rend Jiraiya le plus heureux? Le sexy méta, évidemment. Évidemment. Non, il n'y a pas d'interaction. Et bah alors. J'appuie sur rien. Ouais, il faut bien que j'appuie pour le... Parce que j'ai rappuyé, j'ai dit j'appuie sur rien, et puis c'est devenu trop long donc j'ai appuyé, et ça l'a fait exploser. Donc faut bien que je réappuie pour faire exploser. C'est bien ça. Ouh, ils sont tous les deux ensemble. Ah mais il y a la grosse racine dehors. Ça va pas fonctionner. Ah si. C'est Gon, il s'est fait toucher. C'est fini. Eh ben non. Oh.
sont énervés. Ils sont énervés. Ça fait très mal, ça. Ah merde, mais c'est vrai qu'en attaque ultime, il s'en sort quand il tombe. Et on fait tout péter. Mais il est invincible pendant ce laps de temps, c'est vrai. Mais on gagne dès qu'ils ont plus d'énergie. Voilà. Il est invincible pendant ce laps de temps, mais on gagne quand il n'y a plus d'énergie. Bon, je sais pas s'il est invincible en tout cas, mais il avait l'air. Bon bah il est sympa à jouer Freezer aussi. Franchement là il n'y en a aucun qui m'a déplu depuis que j'ai commencé. Si, peut-être Gintoki. Mais bon. Ah non, on redescend pas. Enfin, on remonte pas, pardon. Alors, le flic a Kainu en face. Et après Freezer, on a Naruto. Qu'on connaît aussi également, je rappelle. Donc avec Naruto, si on met Sasuke avec nous, il va y avoir une interaction qu'on n'a jamais vue, normalement. Hisoka, hop, Jaguar, on le met avec nous. Et allons-y. Ah mais il y a une interaction entre Akainu et Sasuke aussi. Akainu qui dit intéressant, flamme noire. Et mon magma restera toujours le plus puissant. Un truc du genre. Ken! Futon! Rasen Shuriken! J'aurais pas dû m'avancer. Fait toujours très mal, hein, lui. Putain de bourre. Hop, Kurama. Et la petite bijou Odama. J'en profite qu'ils soient tous les deux l'un côté de l'autre. Ok. C'est le terrain qui est pas fait pour ce genre d'attaque. Hit!
Comment ils vont esquiver ces connards? Commence. J'essayais de laisser Sasuke le faire. Non, il n'y a pas l'air de vouloir. Bon, bon, on termine en beauté alors. Il a dû poser un orteil dedans. Bon, plus 5 fois le soutien, ça va vite sinon. Et du coup... Oh, pour terminer, il y a deux terrains en plus. Donc ça veut dire que tout à l'heure il faudra 1, 2, 3, 4, 5, 5 encore. Faut que je refasse le même terrain mais dans l'autre sens quoi. Oh la vache. C'est chiant. Mais bon, ça nous permet de tester les personnages comme j'ai dit, du coup. Alors, Sasuke, avec qui il interagit? On l'a vu interagir avec Madara tout à l'heure. Et Naruto en face et Naruto en équipe, donc bon. Il interagit avec deux personnes différentes. On va prendre Alice. Peut-être qu'en tant que manieur de flamme. J'étais dessus, je pense. Ouais. Et Rukia. Si vous entendez ronfler à côté, c'est normal, c'est mon chien. Allons-y. Comment s'appelle le Zanpakuto de Rukia Kuchiki? Sodeno Shirayuki. Avec son attaque Tsukishiro. Ouais merde, Ace du coup il est dans notre équipe. Quel Katon, il va pas très loin. En avançant le Chidori. En plus si on le joue bien, on peut le faire deux fois d'affilée. Oh. Amaterasu. On appelle l'Amaterasu. Bon, par contre, l'électricité sur le fils, ça fait beaucoup de dégâts. Ouais. C'est vrai qu'il y a les trucs de... De type dans ce jeu, des fois. Regarde la Chidori, il arrive beaucoup plus à Goku qu'à... qu'à Luffy.
Je sais pas si c'est normal ou pas, j'imagine que c'est normal, mais dans ce jeu, ça me surprend en fait, de penser au genre de choses. Sasuke, il a une transformation de toute façon. Bah. Oh, juste parce que. Juste parce que j'étais en dessous. Oh putain. Oh, c'est abusé ça par contre. Juste parce que j'étais en dessous, ça l'a pas touché. Ah, tu l'as loupé. Hop, on va reprendre Sasuke pour le prochain combat parce que là, je n'ai pas pu voir l'efficacité de son attaque ultime. Et j'imagine du coup que c'est la dernière zone en bas. Ah non! Oula! Il y en a plein d'autres! Oh. Oula la 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 la! Mais c'est qu'il y en a plein d'autres. Ah oh, bah le... Ça sera pas le dernier épisode alors. Ce ne sera pas du tout le dernier épisode. En fait, s'il y a autant de terrain que de cartes du jeu, et c'est ce que ça a l'air d'être, on va les compter ça. On le voit bien dans le combat en ligne. Ou dans le... Ouais, j'aurais dû aller dans l'arcade, tout simplement le combat libre. On le voit avec les icônes du jeu. Dans les... Ouais. On voit dans les titres, mais c'est mieux d'aller. Le combat libre. Allez, à toi, patati patata. Alors, le terrain. On en a 1, 2, 3, 4. 10, 11, 12, 13, 12. On en a 12. 12 terrains. Si on a 6 combats tous les 12 terrains, 6 fois 12, 72. Oups, je suis revenu en arrière comme un con. 6 fois 12, 72. 72 combats, sachant qu'on répète certains combats. Parce qu'on en a pas. En gros, il n'y a que deux maps. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais, j'imagine qu'il n'y en a que 6 ici aussi. Donc il doit y avoir que deux maps. Mais en tout cas, si on en fait 3 à chaque fois, ça veut dire qu'il y aura au moins 2 épisodes de plus, quoi. En plus, il faut qu'on retourne au potager céleste. On va faire vite. Eh, je pensais qu'il y avait qu'une seule map, moi. J'avais jamais fait, donc. Je me suis bien fait avoir. Hop. Quand il se recharge beaucoup plus vite que Naruto, je sais que je l'ai déjà dit. Mais je le confirme, de nouveau. パンチ。
Moi je l'ai enchaîné. Oh, malheureusement c'est le terrain qui est pas propice quoi pour Sasuke, c'est dommage. Susanoo. S'il reste là, je pense que je peux l'avoir. Ouais. Oh d'accord, ça fait une explosion. D'accord. Je voulais viser... Non, mais... C'est parti tout droit. Hein. Dommage. Ah merde, ouais, j'avais plus de bouclier. Iken plus ça. Pauvre Toriko. Pauvre Toriko, il s'en est pris plein la gueule. Bon bah ça va. Multi est chiant à placer mais c'est à cause du terrain. Sinon, je pense pas que ça doit être chiant. Mais ça va tout droit quoi. Ça suit pas. Ça va tout droit à grande vitesse. Et c'est largement esquivable. Hop, alors on change de perso, bien évidemment. Autour de Madara. Alors Madara, il a qui Naruto, mais en opposé. Il dit pas par contre en tant qu'allié. Tataka Inu. Je sais que Madara et Aizen ont une interaction, mais on l'a déjà vu dans les let's play. Donc, Madara lui dit, tu peux essayer de tu penses toi aussi devoir porter le sort du monde sur tes épaules, un truc du genre. Elle noire. Ah. Il y a un pirate en face, n'est-ce pas? Ah non. Il pense parler à quelqu'un d'autre. Ah, parce que c'est le même Seiyu, j'imagine. C'est encore une référence de Seiyu. Il reste dessus le temps que je ne lâche pas la touche. C'est abusé. Il est abusé, direct, je le vois. Là. En plus, il se recharge très vite. Bon, par contre, il est petit par rapport à Kainu. Mais même par rapport à Kumagawa. Kumagawa est censé être un simple lycéen. Il est petit, madame, en vrai.
Hop, c'est parti pour la deuxième météorite. Enfin, la troisième, pardon. Non, on appelle la deuxième. Alors par contre, je vais reprendre parce que j'ai pas compris comment utiliser certains trucs. Sans utiliser de l'arme. Ansiste, boko a yoai mono no misata da yo. を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛を守るために憎しみが生まれる。悪は可能性から根絶やしにせねばならん。徹底的にだ。混沌よりも灰よりマイナス。熊川。みんながいたから。 Il est plus dedans, on va lâcher. Bon, j'ai pas compris comment utiliser. Alors, ça c'est le marqueur, là, je J'ai pas compris comment utiliser le Bokuton. Ni ses gros CP en vrai. Akainu le fait. Eh ben non. Bon, je me suis touché moi-même, mais c'est pas grave. Le couteau c'est en avançant. D'accord. Et ça, c'est en se protégeant en carré triangle. Avec un pêche. Ah
Je suis dans la merde. Putain, mais il a sa garde à l'infini ou quoi? Comment voulez-vous qu'on se protège pas dans ce combat? Mais il perd aucune énergie. Est-ce que c'est une carte qui ne fait perdre aucune énergie? Ouais, bon là c'est le terrain qui est pas propice. Hop. Bon ça va, j'ai un peu compris la façon de combattre de Madara. 勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。 Hop, alors, prochain combattant, Gon. On connaît, on aura juste à le prendre une seule fois. Et Gon avec lui, 4 personnages pour aller. Alors, Goku, Killua, Hisoka. Il n'y a pas eu l'interaction entre Goku et Gon tout à l'heure. On va reprendre Goku du coup. Neuro. Je l'ai sauté lui sans faire exprès. Ah bah tiens, il est en face aussi. C'était même pas voulu. Encore une fois. Ou alors ils font exprès de prendre les mêmes que moi. Parce que là... ça devient bizarre. Ouais, Mana est-il tombé du ciel, 33 ans. C'est vrai. Ah, normalement c'est... non. C'est le Ko. Ça va, ils sont simples par rapport aux autres, en fait, il doit y avoir une différence vraiment, parce que là... Bah alors Goku t'appuie pas? Bon bah il appuie pas. Ah bah enfin.
Parce que je rappelle la technique ultime de Gon, bon c'est pas sa technique ultime ultime, mais c'est à la même forme, sauf qu'il reste petit. Il va s'en prendre une. Alors lui, sur... encore à Kainu, il a bien survécu à Barbe Blanche donc voilà, mais lui, un simple humain comme Ryotsu, il est mort là, mais totalement. Enfin bref, Gon, si vous voulez voir un peu son gameplay, il y a le let's play. Enfin non, c'était au gameplay au pif que j'ai fait Gon nu. Le premier gameplay au pif, je crois. Voilà, et nous sommes enfin au dernier. Killua. Lui, je l'ai un peu joué, mais pas beaucoup. Interaction avec Killua. Qui interagit avec Killua ? Alors, Gon, Hisoka ou Taro Yamada. Bon, vous voyez... On va mettre Taro. Et Hisoka en allié. Voir avec lequel il interagit, tout simplement. C'est parti. J'ai même pas fait attention qu'il y avait une interaction entre Hisoka et Chitoge. C'est vrai que entre les alliés, eux, il n'y a pas marqué l'interaction qu'il va avoir. Ah oui, c'est le Zetsu. Alors, il s'en fout complètement de moi. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, Zebra? Il est totalement AFK. Le Zebra est totalement AFK, on croit un ennemi de level 1. Je crois que j'allais me transformer avant. Là, par contre, je vais le toucher. Je
Je l'ai loupé parce qu'il s'est protégé le bâtard. Mais putain, mais lâche-moi. Taro Yamada, tu ne fais pas ton boulot. Alors, autant il est AFK, autant là maintenant il fonce dessus. Je comprends pas. Moi j'étais en mode, alors on va s'occuper de Toriko, si l'autre il veut pas se battre, ah bah là, il arrive, il défonce. Là, j'ai cru qu'il allait se rapprocher plus. Hop. Bon bah je vais le rejouer, on n'a pas vu son ulti. Mais au moins, on a terminé toute la zone à 100% du coup. On peut les choisir librement dans cette zone. Moi, ouais, maintenant qu'on a fini tous les combats, quoi, de toute façon. Eh ben, allons à Yoshiwara. On a combien de temps de vidéo là? 1h40. On n'aura pas le temps de terminer. Yoshiwara, en tout cas. Plus ça va, plus c'est long. On va voir. Ça veut dire qu'à la fin, il y aura vraiment des combats surpuissants, quoi, du coup. Là, faudra pas plaisanter, je prendrai que Goku pour terminer le truc, quoi. Goku, c'est un cheval, évidemment. Le gros cheval de Rao. Puis on a tous les deux des griffes, hein. Que ce soit Noobé ou moi, on se bat avec l'électricité. Enfin lui c'est l'électricité anti-démon plutôt bien. Merde, j'avais oublié que c'était le Zetsu. Alors là par contre, là je vais le toucher. Normalement il n'y a pas de raison. Ah si, il y a une raison. Taro Yamada le fait. On s'en occupe. Putain. Décidément. Et il l'a refait.
putain, il me laisse pas le temps. Sérieux là? D'habitude les ennemis ils le font jamais, là il a fait deux fois d'affilée direct. J'ai été pris dedans en plus. Hop. Bon bah on n'aura pas eu le temps de voir son ulti. Ah bah je vais faire un troisième combat, je m'en fiche. Je vais juste changer ta roue par contre. Alors là c'est les trois filles qu'on a en face. Hop et en allié. En allié, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Freezer avec son rayon de la mort. Hop. Plus Freezer et Hisoka pour avoir une petite interaction peut-être. Ah non, c'est Goku et Freezer qui ont une interaction. Oh, tant pis. J'allais dire Freezer, j'ai dit Freezer et Hisoka quand même. Freezer et Killua, pardon. きれいだが仕方ね。行くぞフリーザ。君が僕と一緒に戦うとは思ってもいなかったよ。強力な電気。裸のこと？裸になることなんか恥ずかしくないよ。 Heureusement, je suis pas approché plus que ça. En plus il assomme quand il fait une parade parfaite. C'est trop bien. Normalement je devrais la toucher si je suis plus en... Ouais. À part si je la mets KO d'un coup. Non, c'est bon. Ah si c'est. Mais au moins, on voit un peu le final. Non, est-ce que je vais la toucher? Oh, bah je la mets KO. Non mais c'est bon, enfin, on a vu l'enchaînement. C'est tout ce que je voulais voir. なるほど。
Allez, un petit enchaînement pour terminer. Voilà, bien joué Goku. Merci pour le plan petite culotte. Alors, après Killua, Ichigo. Lui, par contre, on a les cartes juste pour lui. Ichigo, qui a une interaction normalement avec Rukia en tant qu'allié. Ça paraît très normal, mais aussi peut-être avec Aizen en tant qu'allié. Ça, je sais pas. On va mettre les deux. Et on va voir. Aizen Sosuke. C'est parti. Planté. Oh, au hasard, j'ai mis. Faut vraiment que je regarde Gintama. Comme je l'ai dit l'autre fois, j'ai pas accroché aux premiers épisodes, mais faut... Parce qu'en fait ça commence déjà sur un monde déjà construit, ça nous montre Gin, mais qui connaît déjà Kaguya, Kagura, avec le binocle, et on sait pas d'où ils se connaissent en fait. Et moi je pensais qu'ils les auraient rencontrés au fur et à mesure, comme ça. Mais... Bon, je vais pas le faire perso, parce que je vous rappelle que l'attaque ultime d'Ichigo est la même chose que Yusuke. Par contre, si Aizen pouvait le faire, ça serait sympa. En fait, là, c'est deux blasés de la vie qui s'affrontent. Aizen et Saiki. Ils sont vraiment tous les deux blasés. Ils sont là. Aïe, aïe, bien joué. Aïe, mais aïe. Depuis tout à l'heure, je les entends. Et maintenant.
Et là, je le finis sur le meilleur coup. Muggets. Voilà. Arigato. Hop. Non, on va changer parce que Ichigo, bon, on connaît. C'est de quoi il est capable. Par contre, en dessous Ichigo, il y a Aizen. Et Aizen, on ne le connaît pas lui. On ne sait pas de quoi il est capable. Alors, est-ce qu'il y a interaction entre Aizen et Rukia? Ça, je sais pas. Entre Aizen et Akainu, peut-être. Je vais laisser aller Rukia. Allons-y. Tu as 3 tarots, Yamada. Ok, ok, pas de problème. J'ai même pas fait attention contre qui je me battais, mais bon. Là pour une fois je suis d'accord avec toi. Vu les ennemis qu'on a en face. Alors Aizen. Déjà il se recharge aussi lentement. Que Ichigo, et il n'a pas l'air d'avoir de transformation. Ensuite ça, a priori ça envoie le rayon de lumière. Si je reste appuyé, il a le temps d'invoquer totalement. Bon, en fait, il fait la totale des incantations. Donc, plus. Oula, mais ils ont déjà vaincu une fois Akainu? Sérieux? Et en se protégeant, c'est quoi? Ouais, la barrière. J'ai 2 sur moi. Hop, et là. Ah, j'ai cru qu'il allait se prendre tous les deux dans le cube. Ça aurait été marrant. Non, pas la grand-mère. La pression spirituelle, ça a pété le truc carrément. Ou par contre, là je vais me faire plaisir. Je connais pas l'ulti d'Aizen. On va la voir tout de suite. Oh le Ogyoku, est-ce qu'il l'absorbe? Il se transforme? Il se transforme même pas. Par contre, il utilise la puissance.
J'allais lui faire la choc. Yare yare. Hop, pression spirituelle. Hop, j'avais mis un truc à charger. On va mettre un autre truc à charger maintenant. J'avais mis mon casque à charger, mon casque PS4, et maintenant je mets mon téléphone. Chacun à leur tour, vu qu'ils utilisent le même chargeur, de toute façon. J'ai pas le choix. Bon, on a pu exploser tout le potentiel de la scène, je trouve, là. Ça va. Ça va, ça va. Alors, Oga. Lui aussi, on l'a contrôlé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, Oga, il pourrait avoir une interaction avec Tsuna. Ça, j'avoue, avec les bébés. Et je crois qu'on l'a vu, hein, mais bon. Je la mets, on sait jamais. Peut-être du coup avec Kagura et Sada Haru aussi, vu qu'elle a son chien, ils sont dieux, c'est que des duos. On serait peut-être avec Gachan et Harale plutôt là. Mais bon, voilà. Donc Oga et Tsuna contre Gintoki. Ah ouais, mais on a Kagura. Ah mais ils l'ont aussi en face, mais je vous jure, je ne fais pas du tout attention à ce qu'ils ont en face. Qu'est-ce que le Yokoseyo? Un énorme centre commercial. Je vois Yoko. Je pense à un truc de gros. C'est bien ce que je pense. Shinpachi, Kagura! よろずやの力、見せつけてやろうじゃねえか。もしかして僕だけ声の出演？ごちゃごちゃうるさいある。新八の声に。新八の声にってどういう意味だよ。ほんかんがりょ。ああ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 。
Et c'est parti pour une bonne petite transformation. C'est très bien, t'es pile à la bonne distance. Eh merde, il s'est un peu décalé. Ouais. Sale flic. Sale flic, sale flic. Sale flic, sale flic. Sale flic, sale flic. Sale flic, sale flic. Ce qui a la référence, ils savent pas quoi foutre le samedi soir. Ça se passe à la télé tous les samedis soirs sur Boulogne, sur la 22 ou sur D19, W9, pardon. On se casse. Loupé, normalement. Bien joué. Oula, je serais apparu vite. Je vais avoir une carte qui diminue mon temps de réapparition. Ça fait deux fois qu'ils l'ont. Pof Tsuna, il va se faire toucher. Ah non, il est à terre. On s'attaque à du muscle là. Alors, Kenshiro, qui pourrait y avoir avec lui? Je suis sûr qu'il y a Rao, hein, mais... peut-être en face, en haut. Vous allez rire, mais je n'ai même pas Kenshiro. Dans la liste, en tout cas.
Ah si, non. Si, non. Non, c'est Kenshin que j'ai pas Kenshiro. Y a pas vraiment d'aide sur Kenshiro. Alors, si la Toriko en face, si, y en a un. Moi, je cherche un allié. On va mettre Rao, tout simplement. On arrive presque à la fin des personnages en plus. Rao et puis... Shishiyuki. の Ah oui, c'est vrai que c'est nous qui là qu'on fasse chier. Est-ce que il explose sa... Ouais. Des muscles. Mais on est bien invincible quand on se prépare en plus. Yakuretsuken. Yakuretsuken. Oh putain. Alors ça va être quoi l'ulti? Okto Kyūkyoku Ōki. Musou Tensei no mai. Le Musou Tensei. Aru nomi. Ah, je suis transformé. Est-ce que j'ai une ulti en étant transformé? Ah, Rao fait son... Putain, j'aurais pas le temps, il le refait. Putain, il m'a volé. C'est pas grave. Oh, comment le vêtement repousse. C'était pas prévu. Depuis tout à l'heure, j'essaie de m'approcher pour lui foutre des points.
Pour les nunchaku. Protection triangle. Ah, j'allais l'avoir à quelque chose, mais Rao a terminé le B avant. Mais on a bien entendu le WAAAAAAH. Ça aurait fait sûrement très mal. Bon, en tout cas, il m'a pas laissé le temps de faire mon outil. Ce qui veut dire que je vais reprendre Kenshiro. Je pense qu'on va faire, on va terminer cette ville là, puis. Puis on arrêtera là. Pour cet épisode. Donc c'était vraiment pas le dernier quoi. Je m'attendais pas à ce que. À ce qu'il y ait une autre map. Alors, question sur Medakabox. Quel pourcentage sur les votes? À 98%. Il y a 2% de personnes qui n'ont pas voté pour elle. D'accord. Medaka va s'occuper de moi, c'est parti. Je l'ai touché. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Je suis pas assez pour regarder quel le survivant pour comprendre. Voilà, mais on est beaucoup plus rapide que la normale. Et beaucoup plus puissant a priori. va peut-être falloir que je m'y mette. Il y a tellement de mangas qu'il faut que je le dise, ou d'animes qu'il faut que je regarde, c'est chaud. En tout cas, ça va. Il est pas mal. Bon, ensuite Rao, on connaît. Mais on va prendre quand même un petit coup. Avec Rao, on va mettre Akainu, tu vois. Et Shishio. Parce que entre Akainu et Shishio, on va y avoir une interaction sûrement. そんな姿で存分に戦えるか人の心配をするより自分の心配をした方がいい今や天を目指す俺の剣を僕と見せてやろうこの勝負あ、いや、pas d'interaction. Mais il y a Kaino, oh, il y a Kaino et Kenshiro en face. Putain, faut vraiment que je regarde qui sont les ennemis avant de choisir.
En tout cas, c'est un combat de muscle. Hein. Là, y'a pas photo. C'est le chichio là qui fait tâche, c'est une... C'est lui qui m'a eu. Je suis plus rapide. Oh putain, j'ai eu les deux, ils étaient alignés. Bah mon Tokushua, il aurait touché Momotaro, il serait tombé KO aussi, de toute façon. Donc, voilà. Arigato yo. Oh maman. Mais en tout cas, Rao, voilà, il est abusé, de toute façon. Voyons voir le dernier personnage de la soirée, qui sera Bobo. Bobo, est-ce qu'il a des interactions? Je ne vois personne. Il n'y a pas d'interaction avec Bobo, enfin si, il va y en avoir, mais... Je sais qu'Oga, par exemple, il veut lui brûler ses moustaches quand il est en face, mais c'est tout. Peut-être que Luffy sera impressionné par les moustaches. Un truc du genre. Ou que le skate va dire quelque chose aussi, peut-être. Du coup, c'est qui en face que je... Trois Naruto. Bon bah, on va voir un peu ce que Bobo fait. Je sais très bien, ça fait longtemps que je suis même plus en partie. Certificat de lentille de contact spécialement pour Tsuna, c'est VRD. Non? Ah non, c'est Spanner, merde! Oh, je suis con! Je suis con, c'est quand il va dans le futur. Non, il n'y a pas de recharge là. Il continue de donner le temps qu'on avance et qu'on va s'appuyer dessus. Yosh,
Ça c'est quand il se protège chez putain ça je fais ça. Bon, on va y voir l'ulti. Alors là, je vais toucher les deux. Là, mais... Il est sympa cette attaque. Ça touche tout le monde autour. Pouah, double KO. Elle est pas mal. Désolé, Luffy, j'ai pas compris. Genre, je l'ai attaqué alors qu'il était pas invincible. Alors que moi je l'étais, et il m'a quand même touché. Et c'est Luffy qui l'a eu. Ou moi avec mes grosses moustaches là qui sortent. Peut-être. Bah, il est pas mal, hein, écoutez. Franchement. Je pensais tomber pire, surtout sur son attaque ultime, quoi. Elle touche dans tous les sens et elle fait énormément de dégâts. Donc bon. Allez savoir. Franchement. Bon. Eh ben les amis. Sur ce. On a fait ces trois zones là. Donc. Prochaine fois. On ira au QG des 10 sabres. Affronter les premiers qui seront Luffy, Hancock et Ace. Et on les affrontera avec Medaka, il me semble, c'est ça. Il nous reste 1, 2, 3... 3 et 7, il reste 10 personnages à faire. Putain. Et si on compte environ... On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
fait, faut compter 8 combats à chaque fois. 8 x 6. 8, 16, 16, 16, 32, plus 16, 48. En gros, même si je fais combattre 2 fois chaque personnage, je serai pas à la fin. J'ai été trop rapide à vouloir faire... J'ai cru qu'on aurait jamais le temps de faire tous les personnages, mais en fait si, on aura largement le temps même. Parce que là en plus j'ai pris le minimum. Mais imaginez, il n'y a pas 8 combats, il y en a 9 ou 10 dans le truc. Voilà quoi. Donc bon, on verra bien. Je reprendrai au pire les personnages que je trouve ne pas avoir assez joué. Puis voilà. Sur ce, ciao à plus du coup. Et rendez-vous au prochain épisode de Gameplay au Pif sur G-Star Victory Versus. Allez, salut à tous!